Donc, on accueille le cégep de Sainte-Foy, Félix-Alexandre Aubert, Simon Bromet, Nathan Langlois. Voulez-vous bien nous rejoindre sur la scène? On les applaudit. Le cégep de Sainte-Foy. On accueille aussi le cégep Gérald Godin, Sylvain Chenal, Laurent Comeau et Paul Ardeléan. Commence à être tendu. Encore 2 minutes de préparation. Ça fait combien de matchs maintenant pour Sainte-Foy? Je les ai vus souvent, me semble. Hey, sérieux, je pense que c'est le 6e là, ou 7e. Moi, j'ai perdu le compte. 8e pour le cégep de Sainte-Foy. Ouais. L'usure des machines devient, à la limite, possiblement un enjeu. Dans la double élimination, il y a une réalité, c'est que ceux qui perdent la première ronde se rendent en finale en 5 ou 6 matchs de plus que ceux qui gagnent jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Crochet ceux qui sont dans le bassin B, ayant perdu leur premier match, se retrouvent à avoir fait un peu plus de matchs que les autres rendus s'ils se sont rendus à la finale. Ça peut avoir un effet positif comme négatif. Crochet valide. Placement du câble. Donc, encore une fois, le cégep Gérald Godin fait face à un opposant plus grand que lui. À date, ça ne semble pas les avoir dérangés énormément. Cependant, le cégep de Sainte-Foy n'a jamais perdu. Vous avez perdu une fois. Ouais, c'est une disqualification. Effectivement. C'était la première disqualification qu'on a vue aujourd'hui. Ils étaient sortis un peu de la zone avec leur point d'appui. On se place pour le déclenchement. Oh, non, non, pas de compteur. Ils sont pas prêts encore. Ils se plaçaient. Mission. Donc, vous êtes prêts. Le compte à rebours. Si c'était une course de vitesse, c'est rapporté à droite. Encore une fois, le 24 cm du cégep Gérald Godin. 24 cm, juste pour être sûr. Je crois que ça valait le coup. Par 2 cm, virgule quelque chose. Et voilà, si ça avait juste été 21 cm de prévu, ils ont visé 24 cm juste pour être sûr.